Salut à toutes, c'est Antoine56. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en extérieur. Alors, là, le confinement, mais c'est une vidéo dans le jardin, donc j'ai le droit de sortir pour une vidéo mécanique. Voilà, sur un tracteur tondeuse. Ok, c'est pas une grosse mécanique, mais en gros, pourquoi sur un tracteur tondeuse? Donc, en gros, si vous voulez, hier j'ai tondu. Donc, bonjour. Et après, donc bonjour à la poule. Et d'un seul coup, c'est mis à arrêter. Donc la batterie était branchée, la batterie qui est sous le siège, qui est juste là. Et quand je fais le contact, il n'y a rien qui se passe. Donc je vais voir, je vais essayer de trouver la panne, essayer qu'il démarre. S'il ne démarre pas, on parle coronavirus, on va l'emmener au réparateur. Donc ça va être un tout petit peu galère. Et s'il démarre, par contre, là j'ai le seum. On va le démarrer maintenant. Parce que s'il démarre, après il y a de l'essence. Voilà le bruit qu'il fait. Pourtant il y a le starter. Ça peut le cramer par contre. C'est électrique, donc on va bien voir ce que ça donne, sachant. Attendez, que je sorte, désolé. Vous avez vu une belle vue. Donc c'est électrique et tout là. Donc voilà, il y a ça qui bouge, mais ça a bougé pendant longtemps. Le démarreur, là vous avez l'huile, là vous avez le moteur, là vous avez... Attendez, je ne me trompe pas. C'est comme ça, et comme ça, le nouveau filtre à air. Hop. Là vous avez le pot d'échappement qu'il faut que je répare parce qu'il y a un petit problème. Donc ça ne vient pas de ça. Ça vient pas de ça, c'était pour les phares qu'ils ont sur le capot. Mais d'où ça peut venir, je vais s'y trouver. D'ailleurs vous voyez la crémaillère là. Je sais pas si vous voyez. Vous la voyez bien. Donc on se retrouve parce qu'il faut que je nettoie les connectiques et il faut que je débranche. Je me transforme en électricien. De toute façon, mécanicien. Tu transformes en tout en électricien parce que maintenant toutes les voitures sont électriques qui transforment aussi en gestion automobile, en pompiste, en nettoyeur, en tout en gros. Donc putain, je me suis pris le truc. Donc on va bien voir tout de suite toutes les connectiques et là on va bien voir ce que ça va donner. Bon, le moteur tourne un peu. En fait, c'est le démarreur. Le démarreur qui est juste ici, je vous montre, qui est juste ici. Donc je vais voir pour enlever ça, puis ça. Allez, à tout de suite. Donc, pour démonter ça, donc je peux pas complètement démonter, j'étais obligé de démonter le réservoir. Tout simplement, une vis ici, réservoir. Crado d'ailleurs. Et là pourquoi je peux pas démonter, parce que j'ai pas ce qu'il faut pour démonter devant. Donc du coup voilà le démarreur. Je vais essayer de vous mettre là, remonter un peu, puis là. Voilà. Et en gros, donc le démarreur. Là, il n'a rien. Il n'a rien. Ici, quand vous voyez, je vais soulever plus ça. Cet engrenage-là, je vais vous prendre. Il faut que je trouve quelque chose pour le finir. On va le mettre là. Aïe. Voilà. Donc, en gros. Bouge pas, merci. Je t'ai dit pas bouger. L'engrenage qui est là. Si tu mets un peu plus. Quand le moteur démarre, il s'enclenche vers le haut. Donc là, il n'est pas tout à fait enclenché. Il s'enclenche vers le haut et ensuite il fait tourner le moteur. C'est ça ce qui permet que le moteur tourne, même ça sur
les voitures de maintenant. Elle démarre et là-dedans, donc ça n'en parlons pas. Voilà. Faudrait pouvoir le. Pardon, faudrait pouvoir l'enlever. Mais, t'as une grande vis ici. Là, et l'enlever. Ouais, et on pourra pas parce que ça avec encore des vis comme. Comme on a devant. Donc, on va bien voir. Voilà, j'ai tout remonté. Bidon d'essence. Cache. Verdict. Encore un nouveau bruit. Je suis déçu, j'ai pas pu le réparer. Plus de jus. Donc bah voilà, merci d'avoir regardé. Je suis déçu, je voulais essayer de voir ce que je pouvais en faire. Pas grave. Bon, en tout cas, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, à liker, à partager, à t'abonner. Bientôt les 6 heures. Ceux qui veulent une petite vidéo mécanique, mettez un petit pouce bleu. Parce que peut-être ils vont en avoir d'autres. Parce que l'été arrive, il faut s'occuper notamment de la tondeuse qui est là-bas, que vous voyez pas trop. Duel. Donc, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé. Bientôt les 6 heures. Et sur ce, ciao l'équipe.